Bonjour, nous sommes très très heureux de vous retrouver en ce début d'année 2017. On va être ensemble jusqu'à juin de cette même année. Alors, je porte du blanc ce matin parce que c'est une couleur pacifiste et je me suis dit que pour l'élection présidentielle qui approche, eh bien, à nos politiques d'être exemplaires dans le respect mutuel. Comme on tente de le faire aussi sur ce plateau avec un invité qui vient pour la première fois, oui, cela en 20 ans. Alors, il nous a snobé pendant très longtemps, c'est Édouard Baird qui est avec nous. Non, bonjour Édouard. Je ne savais pas que j'étais invité du tout. Mais si, tout du long, ça fait 20 ans que je vous supplie de venir. Mais je n'étais pas dans le métier il y a 20 ans du tout, j'étais chez moi, je faisais de la plomberie. Vous étiez une maman nouveau-née. Non, il y a 20 ans, moi j'ai moins de 20 ans, donc effectivement vous avez... Évidemment. Acteur, réalisateur, producteur, animateur de radio, Radio Nova, de télévision, on aime votre autodérision, on aime aussi votre humour, on aime surtout vos cheveux. Ah, mon physique. Parce que moi, à part le physique, c'est ce que le reste, vous dire. On s'en fout. Voilà. Pas mal cette coupe de cheveux. Oui, c'est des années de travail pour une seconde éternité, ce c'est moment. C'est du boulot, hein, quand même. Face. Vous êtes très bien installé, je trouve. Oui, hein, c'est beau. Oui, hein. Je suis content pour c'est vous. C'est luxueux. Hein. Alors, on va parler quand même de votre troisième réalisation, Ouvert la nuit, on en parlera tout à l'heure. Mais vous savez, et d'ailleurs, c'est pour ça que vous ne vouliez pas venir dans cette émission, on va parler du début, c'est-à-dire de votre enfance. D'ailleurs, d'où vous vient cet accent un petit peu comme ça? Enfin, un accent, le style un peu mondain, un peu chic. Ah bon, non, je sais pas. Moi, j'aime pas ma voix du tout. J'ai l'impression d'entendre des vieux acteurs des années 20-30 quand je parle. Et vous en servez de votre voix? Non, le timbre, on peut calculer son timbre, mais sa voix elle-même, vous savez, je crois quand on se voit à l'image, on se reconnaît. Quand on s'entend, personne ne supporte. C'est vrai. Même. On était avec des adultes tout le temps. J'ai été élevé avec très jeune avec des adultes. Vous diriez que vos parents étaient des bobos? Ah avant non, l'heure. C'était des gens très gentils. C'était qu'est-ce que je pourrais... Non, vous je sais. Bobo et gentil, hein. Oui, mais enfin, je peux répondre à votre question par une autre réponse. Très bien. C'était des gens formidables. C'était des gens qui aimaient beaucoup les livres et qui aimaient beaucoup la conversation. Un père énarque, ça met la barre haut. Mais surtout un père qui avait fait la guerre, un père qui a 20 ans n'avait pas choisi sa vie. Puisqu'il s'était retrouvé à devoir fuir en Espagne, puis à faire toute la campagne de libération de Paris avec Leclerc. Donc ça marque pour toute une vie. Après, je pense que les années d'après-guerre, ensuite, c'est durable, quoi. Donc ça, d'où les années 50, 60, 70 en France, qui ont été portées par quelque chose, par des gens qui avaient connu la guerre et un vrai effondrement. Contrairement à ce qu'on a l'impression de vivre aujourd'hui, je parle d'un vrai, vrai effondrement du monde qu'on a connu. Et on parlait de ça chez vous? On parlait de quoi? On en parlait avec fantaisie, avec humour, en essayant de se dire que je pense que quand on avait survécu à ça, rien n'était très grave. Vous avez été un enfant de la télé? Vous l'avez beaucoup regardé quand? Non, on n'avait pas la télé. On n'avait pas Pourquoi la télé. Je ne sais pas, c'est peut-être parce que ce n'était pas la génération de mon père. Et puis comme ça, on pouvait discuter entre nous. On faisait des jeux. C'est vrai que vous alliez à la Comédie Française, qui vous emmenait à l'Assemblée Nationale? Non, on n'allait pas au théâtre du tout. C'est plus tard, comme on avait une amie de mes parents qui était bibliothécaire à l'Assemblée Nationale, j'allais écouter parfois les discours, mais c'est beaucoup plus tard. Ça, Qu'est-ce que vous avez le moins aimé dans votre enfance? Qu'est-ce que j'ai moins aimé dans mon enfance? Écoutez, attendez, c'est très compliqué, j'ai pas réfléchi, j'ai pas aimé. Non, je pense que c'est des choses comme certains enfants que j'ai retrouvés... Chez Modiano, c'est des sensations de solitude qu'on peut avoir quand on est enfant. C'est-à-dire, même si tout est organisé, vous avez l'impression que c'est une famille heureuse, que tout le monde vous aime. Et c'est ce qui me touche dans toute l'œuvre de Modiano, et particulièrement dans un pédigret, c'est des sensations que quand on est enfant. Que vous avez joué longuement. Et bien, tout à coup, je me suis dit, pourquoi j'aime ce texte? Je ne comprenais pas pourquoi, parce que lui avait une enfance vraiment dure d'un enfant qui n'était pas du tout aimé par ses parents, et dont les parents cherchaient à se débarrasser en mettant tout le temps en pension, ailleurs, chez des amis à eux. C'est cette sensation qu'on a parfois dans l'enfance de ne pas arriver à parler avec sa famille autour de soi, de se sentir seul. Et ainsi, vous cherchiez à vous faire remarquer? Peut-être qu'on... Oui, je pense que dans les familles nombreuses, vous savez, c'est des concours de celui qui va parler le plus fort pour se faire remarquer. Nous, on était trois. Donc, oui, je pense que c'est un peu... Tout le monde parle à la fois, c'est une émulation plutôt joyeuse, ça. C'est un bon souvenir qui durera quand même 10 ans, le club des analphabètes cons mais attachants. Non, c'est le truc de Bec BD, oui, non, c'est des sorties. C'était un peu un club réservé, non, à quoi, à des gens... Non, mais c'est des sorties un peu riches, c'est un peu des blousons dorés. Ouais. C'est un peu des blousons dorés à la con des années 80. Et vous organisiez des fêtes? Alors, Bec BD organisait des fêtes, moi je sortais un peu, j'allais boire des coups et on essayait d'aller draguer un peu les filles. Mais bon souvenir ou pas? Vous vous dites, j'ai perdu mon temps? J'ai perdu un peu mon temps, mais c'est pas mal de perdre son temps, oui.
Qu'est-ce qu'on apprend ? Je perds encore mon temps. Non, mais je crois qu'il faut prendre. Il faut prendre des chemins de travers. C'est pas mal, l'école buissonnière. C'est pas mal de ne pas avancer, de ne pas avoir de carrière. Moi, j'aime bien, c'est pas pour en parler, mais comme le personnage de mon film, j'aime bien, quand je vais d'un point A à un point B, m'arrêter en chemin par un point C qui ne serait pas prévu. C'est vraiment le reflet, alors, vraiment, de votre carrière, ce que vous venez de définir. La suite, elle nous est racontée par Magali Defer. Magali Defer. Première émission de l'année avec un invité, donc c'est le premier Thé ou Café. De bonnes raisons, Édouard Baer, pour se pencher sur vos premières fois. Professionnel, bien sûr. Allez, retour en 90 avec votre première série télé à 24 ans. Ceci est un peu ridicule, non ? Mais non, Édouard, pas plus que vos premiers pas à Radio Nova. La plaque au mal, on est grave. Avec Ariel Wiesmann, vous êtes les pros de l'impro, au micro et sur le petit écran. On se prend pas la tête, le principe zéro prise de chou, vous le connaissez, Edouard. Sans prise de tête, vous commencez au ciné dans Folie Douce, premier film, premier bide aussi. Peu importe, puisque votre premier grand rôle, vous le jouez aux côtés d'Audrey Tautou. Ah oui, quand même. Hein. Puis, vous incarnez le rôle titre dans le premier film d'Isabelle Nanty. J'ai conscience que je dois vous réveiller. Et partagez même votre première affiche avec Gérard Depardieu. De la comédie populaire au drame, vous naviguez dans tous les genres. Qu'est-ce que tu fous ? Je m'amuse. Ça, c'est sûr. Pour vous amuser, vous n'êtes jamais le dernier. D'ailleurs, le premier film que vous réalisez est complètement barré. Enfin, barré. Comme le suivant, où vous faites tourner Jean Rochefort, votre mentor, une réjouissante première pour vous. Quand tout à coup, Jean Rochefort vous dit « Ah ben, avec plaisir, ben, on est fiers. » Fier aussi lorsque vous décrochez votre premier Molière avec la pièce Cravate Club. C'est la première pièce dans laquelle je joue, qui est écrite par un ami très proche, qui est mise en scène par une amie très proche. Et c'est avec vos amis que vous montez pour la première fois le Grand Mezzé en 2002. Un spectacle d'audition entre café, théâtre et cabaret. Enfin, on ne sait pas trop. Ce que j'aime, ce sont les choses dont on ne puisse pas dire ce que c'est. Les pièces que vous écrivez sont donc d'un genre nouveau, mélangeant poésie, excentricité et loufoquerie. Et enfin, vous vous retrouvez pour la première fois seul en scène dans un pédigré de Patrick Modiano. Je ne sais pas quoi lui répondre. Bref, un artiste inclassable qui ce matin dans Thé ou Café attise notre curiosité. Et avec vous, ça peut déraper. C'est extrêmement mûf. Ça ne sera pas la première fois et sûrement pas la dernière. Je vous remercie. Les premières fois, quelle est la première fois que vous avez le plus marqué ? Le premier baiser dans un camp américain à 15 ans, dans le Maine. C'était un échange d'enfants. J'ai embrassé. Non, avec une fille. J'ai pas encore eu une première fois avec un garçon, mais je vous tiendrai au courant parce que je sens que ça vous intéresse. Vous vous souvenez d'elle ? C'était une étudiante américaine. Je vous rappelle qu'elle avait un appareil à dents. On ne va pas enlever l'appareil à dents. C'est pas inélégant non plus. On s'embrasse, on a un appareil à dents. Vous savez, l'élégance ne se situe pas du tout dans les problèmes dentaires, Catherine. Non, l'élégance, qu'est-ce que c'est votre définition de l'élégance ? C'est de ne pas insister là où ça fait mal, c'est de passer avec douceur sur les choses. Ce que vous savez très bien faire, vous qui avez démarré sur peut-être que vous aussi, Canal+. Quel regard vous portez sur Canal aujourd'hui ? Et l'esprit, le fameux Canal ? Il ne faut pas chercher au même endroit des choses qui sont passées il y a 20 ans. Il y a 20 ans, il y a une chaîne qui était balbutiante, qui commençait, qui était fondée par Pierre Lescure et Alain Degreff. C'était une chaîne où il n'y avait pas beaucoup d'abonnés, donc on ose tout. Et puis tout à coup, il y a plus de monde, il y a plus d'enjeux, il y a l'audimat arrive. Donc on ne peut pas garder le même esprit. Mais il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait l'esprit Canal à Canal. Il faut qu'il y ait des nouveaux esprits qui naissent. On ne va pas tout le temps chercher de la nostalgie. Et qui naissent où, selon vous ? Je pense que c'est plus facile sur Internet aujourd'hui. D'ailleurs, c'est mieux parce qu'on n'a plus à passer par une chaîne. Quand on a du talent ou de la créativité, il faut aller directement. Oui, parce qu'on n'a plus à essayer de... Je crois qu'il faut renoncer à convaincre des directeurs de chaîne. Parce qu'il y a une peur générale à la télévision, on cherche à imiter avec moins d'argent les chaînes riches. Je ne trouve pas qu'il y ait beaucoup de créativité à la télévision, il y en a un petit peu. Est-ce que vous avez vous ressentez une sorte de sentiment de mégalomanie comme ça chez vous ? Parce que vous êtes chef de bande, c'est vrai, mais... Oui, bien sûr. Non, mais vous êtes chef de bande, vous aimez en fait aussi diriger, d'être au centre. Bien entendu, oui, bien sûr. J'ai un égo monstrueux. Mais j'essaie aussi de me dire qu'on est plus nombreux que juste moi, qu'on est quand même... plus de 6 milliards maintenant, donc j'essaie de faire un tout petit peu attention aux 5 999 999 999 autres personnes, un petit peu. C'est ce que vous faites d'ailleurs dans votre émission, chaque matin. Vous êtes à l'écoute des autres, des anonymes, et parfois aussi évidemment de célébrités. Alors on est allé à votre rencontre, c'est tôt le matin, c'est entre 7h et 9h, Magali Defer et Pierre Coussier, vous y ont retrouvé. Elle est sur tous les fronts, Magali. Bonjour, Edouard. Vous êtes de
debout depuis quelle heure ? Non, ça va, je suis debout depuis 5h30. Je ne suis pas matinal, mais quand je me lève, ça, je suis heureux de m'être levé. C'est l'obligation d'être un peu en forme et d'être aussi curieux à 7h du matin qu'on le serait peut-être à 20h. Oula ! C'est quoi l'esprit de cette matinale ? C'est sur l'idée d'intimité, de dialoguer, de rencontrer des gens. Bonjour. Bonjour. Bonjour Marie. Qu'est-ce que c'est que de se réveiller, de vivre ensemble dans le même pays ? Qu'est-ce qu'on vit ? Qu'est-ce qu'on traverse ? C'est de parler d'autre chose que la grande actualité un peu écrasante. Merci Charles, effectivement, ça change tout. Je ne suis pas journaliste, donc je pose des questions, moi, qui m'intéressent en tant que candidat ou que citoyen. Quoi. Ça m'intéresse, comme dans la vie, j'ai envie de vous poser des questions. À quelle heure vous êtes levé ? Qu'est-ce que c'est que ce pull ? Est-ce qu'il se voit la nuit ? Venez, on occupe un bureau en ce moment. On va le redécorer un peu, mais pour le moment, j'ai juste apporté... j'ai apporté ma lampe de Napoléon. Voilà. Je viens d'arriver, c'est les livres du type qui était là avant. Que j'ai fait muter très loin en Nouvelle-Calédonie pour récupérer son bureau. Ça, c'est le programme de l'émission. Vous voyez, je sais quand même qui intervient. Omar Sy, on l'a réveillé, ça c'était prévu. Bonjour, cher Omar. Bonjour. Ah, cette voix du matin de l'homme qui parle à la radio avant de parler à sa femme, presque. C'est presque ça, ouais. Moi, j'ai fait des émissions là il y a 20 ans. Et quand je suis revenu là, comme c'est plutôt une petite radio, j'étais en dessous de la ligne de surveillance. J'étais un peu peinard pour faire ce que je veux sans avoir de compte à rendre. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre enjeu que le plaisir ? Il y a un chien, mais pas un feu de bois. Mais le chien ne brûle pas, le chien est plus près de toi. Il est plus près de moi. Ah non, pardon, c'est mon fils. C'est mon fils, pardon. Tu m'as réveillé. Bah, le direct, on fait partager aux gens l'idée que c'est pas très grave, on peut se tromper, on peut être approximatif, c'est le matin, on peut bafouiller, on peut avoir un blanc. C'est pas une émission faite par des machines, c'est des gens, on peut avoir des humeurs. La Marie, je l'ai dans le cœur. J'essaie d'être un petit peu enthousiasmeur. Ah, pourquoi tu te planques là ? Là, je vais chercher un croissant. Non, mais vous êtes en direct, c'est thé ou café, mais ça peut être les deux. Oui, voilà. Mais je comprends pas, vous êtes en direct là, pourquoi vous êtes dans le couloir ? Et parce que c'est la pub et qu'on a décidé d'aller boire un café, donc je sais pas si on fait partie de l'émission du coup. Dis donc, Patou. Oui, Edouard. Alors, Pat a l'élégance de mettre sa tenue de lumière pour recevoir le matin. Et ça soutient parce que les gens viennent au comptoir et ça file la pêche à tout le monde d'avoir Pat le matin. C'est surtout les matins où il y a des lives ici qu'il y a énormément de monde. Comment s'appelle ce que vous allez nous jouer ? Je sais pas, il n'y a pas de. Pour Edouard, ça s'appelle. Pour Edouard. Oh, mon ange. J'aime être en troupe et effectivement, je me suis donné le rôle du chef de troupe, en effet. Pourquoi faire du bizarre plutôt que du normal ? Dis donc. L'atmosphère un peu fraternelle ou joyeuse, elle transparaît, elle passe à l'antenne. Mais l'important, c'est ce qui se passe à l'antenne. C'est pas juste de la détente. Est-ce que, par exemple, Christophe Méné, vous êtes plutôt slip ou caleçon ? Plutôt caleçon. Ça va pas de répondre à des questions pareilles. Ah non, mais c'est merveilleux d'être avec des amis, de travailler avec des gens qu'on connaît très bien, d'être en famille. Bien sûr qu'il y a un côté. J'espère que c'est un peu une famille, j'espère. Salut ! Bonne journée. Merci. Êtes-vous plus slip ou caleçon ? Écoutez, je suis... C'est invraisemblable de poser cette question. Non, parce que c'est tellement la question à la con qu'on pose. Voilà, quand les gens n'avaient plus d'idées, ils posaient ça, ce qui n'est pas votre cas, parce que vous avez des idées. Peut-être. Vous avez un carnet d'adresses bankable. Pourquoi ? Omar Sy. Ben non, mais oui, mais parce qu'on mélange, en fait, où j'appelle des gens dans les régions, des agriculteurs, des infirmières, des gens qui sont debout tôt le matin, qui travaillent. Et puis, de temps en temps, ça s'appelle le réveil d'un monument, où j'appelle quelqu'un de très connu et je lui demande ses rituels du matin... Qu'est-ce que vous apprenez de la radio ? Non, j'apprends des gens avec qui je parle. Je me sers de la radio pour apprendre des choses, mais de la radio, rien. Et l'avantage, c'est que n'ayant pas de caméra, on est beaucoup, beaucoup plus détendu. On est vraiment concentré sur la parole, sur ce qu'on entend, sur ce qu'on écoute, sur ce que dit l'autre, et pas sur l'effet produit. C'est très difficile d'oublier la caméra, la télévision. En tout cas, elle ne vous oublie pas. Et quand on regarde la télévision, on se rappelle très peu ce qui a été dit. On reste sur l'atmosphère de quelqu'un, si quelqu'un est sympathique, vous a plu ou pas. Le contenu des propos, c'est vraiment la radio qui... Et votre relation à l'auditeur, quelle est-elle ? Ben j'essaie de faire... je ne sais pas si je savais que c'était une émission très très écoutée, je ne sais pas si je la continuerais. J'aime bien l'impression qu'on parle pour qu'on se lève comme ça, que c'est l'humeur dans laquelle on est vraiment le matin et que c'est des questions qui m'intéressent vraiment. Enfin, moi, ça m'intéresse de savoir ce qui se passe. Je trouve ça très très poétique à l'oreille d'avoir quelqu'un qui est dans un autre pays, dans une autre région. Qu'est-ce qui vous a surpris récemment ? Qu'est-ce qui m'a surpris ce matin ? Non, mais je...
C'est une infirmière de Perpignan qui s'appelait Marjorie qu'on appelait. J'ai compris qu'elle ne dormait que 2 heures par jour parce qu'elle était infirmière de nuit dans une maison de retraite. Et elle disait en riant, je dis, vous prenez votre douche, là, vous allez coucher. Non, je vais emmener mes enfants à l'école. Alors elle riait, je dis, vous allez coucher après. Elle dit, non, je ne peux pas parce que j'y retourne. C'est le nombre de petits de héros du quotidien qu'il y a, c'est stupéfiant. Il ne lui venait pas à l'idée de se plaindre du tout. Donc ça, je me suis dit, alors c'est un peu... Et vous, vous êtes allé vous coucher derrière. Oui, moi je suis capable de me plaindre. Genre, dis donc, tu te rends pas compte, je travaille 2 heures par jour. Après, on a un peu honte de... Vous savez bien sûr que la scène dans Astérix, Mission Cléopâtre, est devenue culte. Celle du scribe, Otis, etc. Et vous savez que sur Internet, d'ailleurs, il y en a beaucoup qui vous imitent. Ça, vous les avez vus, ça vous plaît? Ça vous fait plaisir bizarre, ça me fait bizarre, ça me fait plaisir et ça me fait bizarre parce que... ça me met mal à l'aise un peu, je sais pas quand on vient me le dire, parce que je sais pas quoi en faire. Parce que sur le moment, on se dit pas que c'est un truc formidable, même après, quand le film est sorti, c'est surtout Jamel, et ça a été la révélation, c'était incroyable de découvrir Jamel Debbouze au cinéma. Et c'est petit à petit, tout à coup, on sait pas pourquoi, peut-être parce que ça correspond à un truc qui fait du bien aux gens, se moquer de ces personnages qui arrivent à dire en 1000 phrases quelque chose qu'on pourrait dire en une. Et puis le fait qu'avec les réseaux sociaux, les choses de 2 minutes s'échangent facilement, je pense que ça... Et ça sur le moment, c'était vraiment de l'impro? Oui, on en a. Si, c'est de l'impro. Bah, si, il n'y avait pas de texte. Enfin, après, on en a fait 3-4 différentes. Mais vous savez, après, il y a plein de gens, vous appuyez sur un bouton et on peut en dire des années. Et vous, on appuie sur un bouton et vous pouvez dire plein d'années. Oui, mais il faut qu'il il faut avoir rempli. Il faut avoir des gens. Des majorettes. Ah, des majorettes, c'est bien. Un chauffeur de salle. Non, pas un chauffeur de salle, mais des majorettes, oui. Le costume, Edouard, de cérémonie, que ce soit pour les Césars ou que ce soit pour le Festival de Cannes, la cérémonie d'ouverture, ça, c'est bien, c'est valorisant. Qu'est-ce qu'on ressent? C'est grisant? Je sais pas. On est dans des souvenirs qu'on avait enfants, de ces cérémonies, des trucs. C'est une sorte de fête quand même, dont il faut essayer de gommer l'arrogance pour que ça ait l'air sympathique. Il faut que ce soit une fête sympathique et chaleureuse. Et puis voilà, il y a plein de gens que vous admirez dans la salle, donc c'est formidable. C'est comme jouer une pièce de théâtre devant des gens qu'on admire. Donc c'est... Est-ce que ça rend légitime? Est-ce qu'on a l'impression de faire davantage partie du sérail? Il n'y a plus de sérail. Tout ça, c'est un peu effondré. Hein, c'est des choses. Il n'y a pas un milieu, il y a plein de petits milieux de cinéma. Comment vous expliquez que ce soit effondré? C'est parce que tout à coup, le cinéma n'a plus exactement la même place qu'il avait avant. Parce qu'avant, ça remplaçait et la télévision et plein d'autres arts. Si vous voulez, avant, on allait au cinéma comme on regarde un film chez soi. Beaucoup de gens avaient très peu de chaînes de télévision. Donc c'était une chose qui concernait peut-être plus de gens. Maintenant, ça s'est beaucoup séparé entre cinéma distraction, cinéma d'auteur. Donc il n'y a plus... Voilà, mais les gens ont quand même conscience de faire un métier privilégié, formidable à faire. Donc je pense que ça reste pour ça des cérémonies plutôt joyeuses. Qu'est-ce qui vous motive, vous, dans la vie? Moi, j'ai envie de bien m'amuser, et avec beaucoup de monde. Donc d'amuser aussi les autres? Oui, qu'on s'amuse l'un des autres. J'ai envie de partager des choses, j'ai envie d'échanger, j'ai envie de rencontrer des gens, j'ai envie de... Voilà, c'est la curiosité, je crois. Mais on a peine à croire que voilà, tous les jours, c'est joyeux. Ah non, mais c'est... Non, c'est pas joyeux. Oh là là, pas du tout. Là. Non, c'est un petit combat. Il y a 10 secondes en me levant où j'ai envie de mourir. Et puis je vais prendre une douche et ça passe. Ou je vais prendre un café. Non, il y a des effondrements. Vous savez, c'est des montagnes russes. Mais à partir du moment où on accepte les hauts, il faut supporter les bas. Si vous allez voir Ouvert la nuit, tout à coup, ça va rehausser... votre vie, votre vision du monde. C'est le troisième long métrage. Je pense que là, vous devez avoir un peu le trac, non? À quelques jours. Non, mais j'ai le trac parce que c'est, voilà, c'est des aventures qui durent 2 ans, quoi. Entre le moment où on a l'idée de faire un film, on commence à l'écrire. J'appelle Benoît Graffin pour m'aider à l'écrire. On le prépare. La productrice Barcagi, je réunis la somme d'argent. On rentre en préparation. Il y a Evangelo, le chef opérateur, qui arrive. On cherche des décors. Et pas n'importe qui, Evangelo, c'est un des meilleurs. Hein. D'où la beauté de la lumière de ce film. Oui, parce que c'est une déambulation nocturne dans Paris. Alors, road movie, moi, j'aime pas trop l'expression road movie parisien. Alors, vous êtes le directeur hein, d'une troupe de théâtre et d'un théâtre. Et puis, vous devez trouver de l'argent, en fait, et pour sauver votre établissement. Et puis, il va y avoir une histoire de singe. Ça fallait le trouver quand même. On va en parler. On va regarder quand même la bande-annonce pour mieux comprendre, parce que quand même, le film est assez foutraque. Il suffit qu'il y ait 2 mois de salaire en retard pour que tout le monde soit de mauvaise humeur? Ben ouais. Est-ce que l'un d'entre vous peut me dire là, dans les yeux, qu'il a déjà commencé un spectacle ici, sans avoir été payé jusqu'au dernier centime? À part toi. C'est la grève. Quand on a nos payes, ça reprend. Ça fait 2 mois qu'on attend le vrai singe. Eh ben le vrai singe, il est en cours de route. Tu pars vraiment là? Je fais mon métier.
Google. Quoi? Eh ben Google, singe, dresseur, urgence, dépannage. T'as quoi ce soir? Un cocktail? Une avant-première? Je peux venir avec toi? Ah, le singe, tu peux te le foutre au cul. Mais on court pas là? Et pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait de mal? L'animal sauvage, ça appartient à personne, hein? Taxi! Qu'est-ce qu'on fout là? Vous n'êtes pas censé aller au théâtre, là, aller récupérer de l'argent déjà d'abord? Oui, ben on y va! Vous aviez rendez-vous avec votre banquier un samedi soir dans un bar? Ah non, moi jamais rendez-vous au téléphone. Non, non, non. Je laisse faire le hasard, moi. Il est où, Luigi? Il est où, Luigi? Pas vu. Il est toujours pas réapparu, Luigi, là. Mais réapparu d'où? Tu sais où il est? Ne m'agresse pas. Mais je vous agresse pas, je vous parle normalement. Si, là, tu es très agressif. Non, je vous parle normalement. Je te dis que tonton normal est déjà très agressif. Par là! Luigi! Mais tu te rends compte qu'on est samedi soir à Paris? On va pas se laisser enfermer. Là. Allez, on y va, on fait les choses en vrai, on va voir les gens en vrai, on les touche. J'ai envie de vous peindre. On parle, on discute, on s'inconcilie, on boit un coup. Ah, il faut cesser d'avoir peur et c'est là qu'on aura plus de limite. Oui. Ça, c'est fait. Au secours. Il y a un problème. Non, non, il n'y a pas de problème. Oui. Non, mais qui a dealé ce contrat, la con, la 1000 euros au jour? Toi. Moi? Oui. Mais qu'est-ce qui m'a pris, moi? Et toi, tu pouvais pas m'en empêcher, non? Vous avez reconnu Audrey Tautou, il y a aussi Michel Galabru, il y a Jean-Michel Lamy, il y a Christophe Méné, enfin bon, ils sont très très nombreux, et puis il y a toute votre troupe. C'est vrai qu'on retrouve effectivement ce thème récurrent, hein, vous avez, dans le Grand Médecin, il y avait aussi ça, le spectacle, la pièce de théâtre. Mais c'est vrai que lorsque on voit la bande-annonce, moi je me suis posé la question, est-ce que lorsque le film ne vous appartient plus, on se sent dépossédé, on se sent presque orphelin de son film. Ah non, 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 parce qu'on veut le partager, le film. Ça, il ne sert à rien s'il est rangé dans une boîte ou s'il est... Non, non. Oui, mais on se dit toujours, ah, j'aurais dû faire ça, ben, j'aurais pu peaufiner cette scène. J'ai plus ça, j'ai plus ça, là, mais peut-être que je l'aurai à nouveau. Parce qu'il y a des choses en moins, il y a des choses en plus. Et puis d'abord, on oublie complètement ce qu'on voulait faire au départ. Moi, je ne sais plus ce que je voulais faire. Et puis je découvre ça, je me dis c'est formidable, c'est de qui? Non, non. Non, mais enfin... Luigi, c'est un personnage, c'est vous hein, qui jouez Luigi. Il vous ressemble pas mal quand même, hein. Il est proche de vous. Hein. Je peux le jouer, mais je le trouve beaucoup mieux que moi. Donc c'est pour ça que ça m'intéresse. Qu'est-ce qui vous plaît en lui? Cet enthousiasme, cette énergie quasi inconsciente, ce truc d'équilibriste, d'aller de l'avant quoi qu'il arrive, d'aller vers les autres, d'oser, d'avoir du culot, de jamais être blasé, ça me fascine. Mais ça, c'est vous, ça? Ben, c'est moi, certaines heures de la nuit. Non, mais c'est pas moi qui le tente. Tout en étant quand même égocentré. Oui, oui, il est égocentré, il est manipulateur, il a des défauts, sinon ça serait pas intéressant. Et il aime tester les limites des autres. Il aime pousser les gens dans leur retranchement pour les révéler aussi, parce que c'est souvent là qu'on est le plus intéressant quand on se confronte. Un peu lâche. Il est un peu lâche. Non, il va vers son risque pas mal dans le film. Non, auprès de sa famille, il ne l'est pas. Ah, il a cette lâcheté-là. Ah, oui. Il ne peut pas affronter. Il y a quelque chose qu'il n'affronte pas chez lui. Notamment ses enfants, ouais, enfin, sa vie de famille. Oui, il y a une scène très douloureuse là, oui. Alors, le singe, qui est quand même très présent, puisqu'on va chercher tout du long du film le fameux singe, paraît-il que c'est aussi difficile de faire jouer un singe qu'à un enfant? Alors, d'abord, ce n'est pas un singe, c'est une vedette. Pardon. Parce que Tibi a joué dans énormément de films. Faites très attention. Parce que, donc, c'est la fille d'un autre singe qui avait joué dans la publicité Homo. Homo Micro, Lotuti Rikiki, Mouse Costo. Donc, c'est quand même une famille de stars. Et puis, c'est très fort physiquement, un singe. C'est un mélange de chimpanzé et de bonobo. C'est la seule qui existe comme ça. Donc les gens venaient l'étudier sur le tournage. Et c'est 20 fois la puissance d'un être humain. Donc il vaut mieux être d'accord avec le singe. Oui, parce qu'un animal comme celui-là peut être violent. Ah, c'est un animal sauvage qui est absolument adorable, qui adorait Sabrina Ouazani, qui est l'actrice du film, donc qui s'était reconvertie dans la coiffure. Donc elle a beaucoup coiffé Sabrina Ouazani, heureusement. Parce qu'avec moi, elle m'entraînait dans des trucs. Elle voulait qu'on aille marcher dans la circulation dans Paris. Quel était l'apport, en fait, pour vous dans cette histoire de cet animal? Bah, je trouve que ça montrait quelque chose sur le personnage, en fait. Il a une vraie mission de film classique, qui est de rapporter de l'argent, de sauver sa boîte, sa petite entreprise. Et au lieu d'aller demander de l'argent à sa riche mécène, au lieu d'essayer d'aller rassurer son équipe, d'aller récupérer les grévistes qui se sont barrés avec les clés du théâtre, il décide de faire une chose qui serait à peine traitée. Normalement, c'est un coup de fil aujourd'hui, quand on a besoin d'un singe pour un spectacle. Et ben, il dit non, c'est ça ma mission. Donc ça montre quelqu'un qui a...
qui a une façon de voir et de mener sa vie professionnelle un peu étrange. Est-ce que vous diriez, en fait, Edouard, que, étant donné que c'est votre troisième film, que c'est le meilleur? Oui. De très loin. Sans vergogne. Ah ben oui, ça n'a rien à voir, oui, de très loin, oui. Il est plus abouti. Ben, les autres avaient du charme, mais ils étaient expérimentaux, si vous voulez. C'était des films un peu... qui partaient un peu dans tous les sens, où il y a plein de choses à garder, mais qui sont un peu fouillis. Là, j'ai voulu faire une vraie histoire, que ça soit déguisé en film normal. Qu'il y ait une cohérence. Qu'il y ait une cohérence, qu'il soit un film d'aventure avec du souffle et qu'il y ait peut-être plus d'émotion aussi. Vous dédiez ce film à Michel Galabru, qui est décédé il y a maintenant tout juste un an. C'était sa dernière prestation cinématographique. Il était déjà souffrant? Non, justement, c'est ça que j'ai trouvé extraordinaire chez Michel Galabru. Enfin, c'est d'être resté aussi vivant jusqu'au dernier moment. C'est-à-dire, ça ne se voyait absolument pas. Il avait la même énergie, le même enthousiasme, la même gaieté d'être sur un plateau. Et ça me stupéfie. Et il est tombé droit, comme ça, comme un chêne. Et puis un jour, il nous a dit non, il est parti. Qu'est-ce qui vous a attaché à cet acteur? Eh bien, cette façon d'être à la fois énorme, de faire croire que tout est joyeux, alors qu'on sent qu'il en a bavé quand même. Lui se vivait un peu comme un ringard, comme quelqu'un à qui beaucoup dit non. Et les gens l'adoraient, ils ne le savaient pas. Et il continuait, quoi. Il avait le plaisir de jouer. Il continuait à jouer au théâtre régulièrement. Il était dans des films. Il était assez inlassable, quoi. C'était assez admirable. J'adore les gens qui jusqu'au bout ont envie, sont enthousiastes, sont curieux. Et sur un plateau, ils posaient des questions à l'équipe technique, ils reconnaissaient les gens, ils racontaient des histoires. C'est d'être incroyablement vivant comme ça. Et vous souhaiteriez finir votre vie ainsi? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Je voudrais avoir envie jusqu'au bout et d'aller vers les autres, de faire des choses, de monter des projets, oui. De qui vous vous inspirez en tant qu'acteur? C'est toujours prétentieux parce qu'on s'inspire de gens mieux que soi. Non, mais je m'inspire pas. Mais moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les gens de mauvaise foi avec beaucoup d'énergie. C'est les rôles que jouait Jean Poiret, par exemple, ou même très différemment Louis de Funès. J'adore les gens qui sont odieux et que c'est quand même assez sympathique et drôle. Je trouve que c'est très très amusant comme personnage de cinéma. Edouard, quand vous rêviez, quand vous étiez jeune, vous rêviez de faire de la politique? Oui, j'aimais ça. J'aimais qu'on puisse changer les choses. Et de faire passer par l'enthousiasme, par le verre, faire par... Oui, mais qu'on puisse intervenir dans le cours des choses. Edouard, regardez, là, il y a une sorte de tribune. Si vous vouliez aller devant, et nous sommes en janvier, à quelques semaines de l'élection présidentielle, et je voudrais que vous preniez la parole, le candidat Edouard Baer. Ah non, pas du tout. Pendant 1 minute 30, vous tentez de convaincre les téléspectateurs de voter pour vous. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, votez pour moi. Ne votez pas pour moi parce que c'est moi, mais votez pour moi en sachant qu'une fois élu, je renoncerai à ce poste. Mais en votant pour moi, vous gagnerez du temps. Avant de choisir un vrai candidat qui risque, lui, d'être président, vous passerez par cette incongruité d'un homme qui arrive déjà à dire ce mot, incongruité, mais de quelqu'un qui n'a pas de projet, qui n'a pas envie d'être là et qui vous foutra bien la paix après. C'était ma dernière minute, c'était le début de quelque chose pour vous. Vive la République, vive la France. Et là, je sors et je laisse le plateau seul. Vous serez le premier à le faire. De partir en arrivant, c'est assez beau. Le mec qui part en arrivant, c'est intéressant. Ouais. Mmh. Ouais. Mmh. Ouais. Et il vaut mieux pas attendre 4-5 ans. Au moins, vous êtes très concis, vous. Oui. Oui. Non, mais comme ça, pendant 10 minutes, j'ai l'Élysée pour moi. On peut faire un pot, quand même. On peut faire venir un orchestre cigane. On fait des buffets. On fait open bar. Une sévillane, un peu de flamenco. Oui, un peu de flamenco. Mmh. Un peu de... On va mettre de l'ambiance, quoi. Oui. Mmh. Et puis, une fois, quand la cave de l'Élysée est vide, on rend les clés, oui. Mmh. Bon, je suis curieux de vous, mais cette fois, ça va être dos à dos. Ah, c'est le fameux... Edouard. On m'en a parlé, ce grand moment d'érotisme télévisuel. Dos à dos avec vous, Edouard Baer, des réponses du tac au tac. Qu'est-ce que vous faites en cas de déprime? Je me recouche. La pire approche de drague? Oh, il y en a énormément. On se connaît, on s'est déjà vu, on t'a déjà dit que t'étais jolie. Ton père est un voleur, il a volé toutes les étoiles du ciel et les a mises dans tes yeux. Sur quel support le plus invraisemblable vous avez signé une dédicace? Oh, il y a eu des plâtres, des trucs comme ça, des t-shirts, des fringues, peut-être des sous-vêtements, mais non, hélas, non, j'aurais dû être chanteur de rock. Qu'est-ce qu'il y a de réac en vous? Le goût pour certaines rues du 16e arrondissement. Quand vous servez-vous de votre notoriété?
Et quand est-ce que je me sers de ma notoriété? Si, il y a parfois, il y a quand même des queues. C'est dans les administrations qu'on dit. On n'est pas gêné quand quelqu'un vous remarque. C'est-à-dire qu'on ne s'en sert pas, mais on est bien content d'avoir des avantages quand même. Un petit passe-droit, quoi. Oui, je ne déteste pas échapper à la queue devant le guichet. Quelle honte. Le lieu le plus excitant pour un rendez-vous amoureux? Il faut avoir quelque chose à regarder, je ne sais pas, un zoo la nuit. Votre plus mauvaise habitude? Décommander les séances de sport. Le job que vous n'auriez jamais pu exercer? Certains métiers de la médecine qui vont à l'intérieur du corps. Donc, chirurgien? Par exemple. Vos vacances de rêve? Mes vacances de rêve, c'est des vacances de groupe. C'est une grande maison isolée, il y a Méditerranée, il y a 20-25 personnes, il y a des drames, des réconciliations. Ah oui. Un film à la Sauté? Oui, avec plus la Méditerranée. Chez Sauté, ça pleut un peu trop. Votre plus grand regret? D'état. Mais peut-être le premier, c'est de ne pas parler espagnol. Votre geste le moins écolo? J'ai pas de geste écolo tellement. J'aime bien laisser les lumières éclairer chez moi quand je rentre. J'aime bien être dans la rue et voir que c'est éclairé chez moi. Je me dis, je dois y être. Est-ce que vous avez des tocs? Peut-être que je renifle ma manche, je touche mes cheveux, je me touche les seins. Je crois que je me touche beaucoup. Chez quelle personnalité vous aimeriez rentrer en catimini? Son appartement ou son corps? Seulement l'appartement. J'aurais bien été dans l'avion américain, dans la Trump Tower, dans sa chambre, et puis dans l'intimité de quelques très jolies femmes quand même, de voir leur désordre comme ça. Oui. La dernière fois que vous avez menti à quelqu'un? Oh, ça doit être à vous il y a 5 minutes, mais plusieurs fois, je pense, oui. Comment appelez-vous le sexe féminin? Non, j'appelle plutôt la personne qui le porte. J'appelle. Un personnage historique? Un personnage. J'ai été obsédé par Napoléon pour des raisons louches. J'aimais bien l'idée qu'un petit gars né en Corse, tout à coup, nulle part, devienne le maître de l'Europe comme ça, sans télévision, sans radio, juste en criant du haut des pyramides aux gars alors qu'il n'a pas de micro, ça me fascine. Une bonne blague qu'on pourrait raconter ce midi, au repas familial. Alors, ouais, il faut choquer dans les repas familiaux, sinon on s'ennuie. Donc il faut qu'il y ait des histoires un peu de cul bien crado et qu'il y ait une gêne après, mais là j'en ai pas qui me viennent. Qui a signé la bande originale de votre film? C'est Alain Souchon qui a écrit une magnifique chanson. Oui. Vous êtes sûr? Ah oui. Hein? On le savait pas. Les soirs de première veille et tourbillon. Et on s'en fout si on a des soucis, puisqu'on est aussi. Mais moi aussi je suis menteuse. Bien sûr que je le savais. Je le savais. Et je le savais d'autant plus qu'il a accepté de témoigner sur vous, Edouard. Alain Souchon, sur Edouard Bach. On ne vit pas ensemble tout le temps, mais quand on se croise, moi, ça me fait plaisir. J'aime bien le côté absolument farfelu, inattendu, curieux d'Edouard. Ça me touche beaucoup, ce genre-là. C'est un style, quoi. Il a son style à lui. Et c'est ça qui est bien. Il a une personnalité rare et unique. Il est un petit peu féerique comme garçon. Il est drôle, mais il n'est pas que drôle. Il est aussi émouvant. C'est une personne dont l'ensemble, les qualités, sont assez agréables. Je voudrais lui demander un truc, mais c'est indiscret aussi, peut-être. Bon, Edouard, il faut que je fasse un nouvel album, donc il faut que je fasse 11 chansons. J'ai décidé 11. J'ai déjà 5 débuts. Est-ce que tu pourrais m'en faire une, s'il te plaît? Tu serais gentil. Tu vois, tu fais les paroles, et puis la musique, tu fais là, ce que tu veux, quoi. Et merci. Ta vie est belle. Il a dit la vie est belle ou ta vie est belle? La vie est belle. Ben oui, mais c'est comme Souchon, c'est comme Ferret. On n'écrit pas pour ces niveaux de poésie-là. Enfin, je comprends. Oui. Ça vous touche? Ah oui, beaucoup, oui. Ça me touche beaucoup parce que je trouve ça et c'est très difficile. C'est très difficile la chanson, la poésie chantée, parce que c'est à la fois très très accessible et très très rare. Moi, je ne sais pas comment il fait, je ne comprends pas. Vous allez le tenter?
Oh, oui, oui, bien sûr, tout de suite, bien entendu. Oh, oui, oui, bah, oui, 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 bien sûr, je vais le tenter, bien sûr, oui, oui. Comme expérience humaine, d'être avec lui, de voir comment il travaille. Et puis, moi, c'est les chansons que je connais le mieux de la chanson française, c'est des chansons de Souchon, oui. Vous ne regrettez pas d'être venu ? Ah non, je ne regrette pas. Pourtant, j'en ai bien bavé au début, Catherine. Puis je luttais, ou c'est parce que je me disais, comme je trouve ça bien que les gens aillent voir mon film, parce que je trouve que c'est un joli film, je me suis dit, il faut passer par là. Il faut passer par là. Chez le médecin. Ça a été insupportable. C'est pas insupportable, c'est étrange. Voilà. Mais c'est pas insupportable. De parler de soi ? Ben, de parler de soi, oui, puis d'avoir l'air de se défendre de choses, d'avoir l'air de ce mélange entre le spectacle et l'intime, quoi. C'est-à-dire de vous parler vraiment à vous, tout en sachant qu'on est à la télévision, donc il y a un mélange de choses, mais c'est pas inintéressant. Ça se termine très joliment. Ouvert la nuit, c'est à partir de mercredi, évidemment, dans tous les cinémas de France. Vous serez où, vous, mercredi ? Première projection ? Alors, ce qui est bien, c'est que je serai à la radio en direct, donc je n'y penserai pas. Et puis, je ne sais pas si j'aurai le culot d'aller à la sortie des salles ou si je vais juste téléphoner ou au contraire éteindre mon téléphone et attendre le soir. Je ne sais pas. Ouais. Moi, j'opte pour la première. D'aller se balader ? Solution. Ouais, c'est peut-être marrant. Je pense que c'est bien. C'est peut-être joli d'aller se planquer avec une fausse barbe, une fausse moustache. Même sans ça. Mais j'en ai déjà une fausse. Je voulais saluer celle qui est exposée sur le plateau Thé au Café ce matin. Elle a pour nom Michaël Andréa Chatt. Elle expose à la galerie Isabelle Gounod à Paris dans le 3e. Elle utilise des tons fauves, des gestes larges, des surimpressions pour questionner sur l'avenir de la nature. Michaël Andréa Chatt qui est exposée sur le plateau Thé au Café ce matin. Et on ne rit pas. Non, c'est à cause de la météo. Demain, c'est Robert Combas, oui. Qui est quand même un des plus grands peintres vivants français, qui sera sur le plateau Thé au Café pour voir pour prendre un petit déjeuner avec nous. Comment s'appelle l'artiste qui expose aujourd'hui ? Je vous en prie. Et nous parlerons aussi de Dalida. Oui, voilà, du long métrage aussi. Il faut aller tout voir. Sur Dalida, la réalisatrice, nous la recevrons, Lisa Azuelos. Voilà, portez-vous bien. On termine quand même avec un petit faux rire. C'est pas antipathique. Merci, Edouard. Vous revenez quand même quand vous voulez. Oui, demain. C'était la première fois. Revenez c'est demain. Plusieurs fois. Il y a des gens qui sont venus plusieurs fois. Ouais. Mais les gens sont maso. Non, c'était très bien. Merci, Catherine. C'est pas vrai. Allez, l'émission est rediffusée cette nuit. Vous pouvez la revoir aussi sur plus.fr et puis sur YouTube. Et puis, sachez aussi que vous pouvez m'écrire sur Twitter. On espère que vous serez aussi nombreux à la voir que nous à la faire. Une émission plus agréable à regarder qu'à faire. Non, c'est pas vrai, c'est bien. Ils seront plus que deux. Je sais, mais non, parce que je sais pas, parce qu'on ne sait pas. Il y a déjà ma famille, il y a la vôtre. Allez, à demain. Bonne journée. On fait un petit selfie. Un selfie, bien sûr. C'est la photo qu'on fait soi-même, le selfie. Thank you.